Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue ce soir dans ce temps de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajusta le soleil et les astres, c'est toi qui fixa les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les forma. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint.
Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 33. La louange, c'est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à zikkoth. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Quand il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation de l'Éternel et le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous prenons la lecture dans le livre d'Exode, chapitre 16, versets 11 à 36. L'Éternel s'adressant à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra, le nombre de vos personnes, excusez-moi. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture,
deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de ver. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns de peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient à la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient à la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Ici se termine la lecture. La prochaine lecture se trouve dans le livre de Colossiens, l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 15. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en y spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici se termine la lecture. Gardons un moment de silence et une petite méditation. Paul n'avait jamais rencontré le peuple de Colosse et de Laodicée. Pourtant, Paul combat pour eux. Il menait un combat pour que le cœur de ce peuple qu'il n'avait jamais rencontré soit consolé et qu'il soit uni dans l'amour et qu'il connaisse le mystère de Dieu Christ. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons connaître Christ par la foi. Dès que nous croyons Jésus, dès que nous croyons le Christ, la parole nous dit que l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, vient en nous. Et par lui, nous faisons l'expérience d'une relation personnelle avec Jésus lui-même. Lorsque nous connaissons Christ, nous avons accès de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître Christ, c'est donc connaître tout ce que nous avons besoin de savoir. L'apôtre Paul veut que ses lecteurs connaissent Christ afin qu'ils ne soient pas séduits par les faux docteurs. Car ces hommes, ils propageaient des faux enseignements. Car ils prétendaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Ou encore qu'il était possible d'obtenir la sagesse spirituelle et la connaissance sans connaître Christ. Or, c'est faux. Et ceux qui enseignaient ces choses utilisaient des discours séduisants. Ils voulaient séduire le peuple de Colosse. En réalité, leur sagesse n'était pas de Dieu. Cela ne venait pas de Dieu. Nous voyons que Paul pensait tellement à ce peuple de Colosse, et que comme s'il était près d'eux. Il l'était d'ailleurs en esprit, comme il le dit dans le texte. Vous savez, quand nous aimons des personnes, d'autres croyants, et que nous prenons soin d'eux, nous sommes avec eux en esprit, même si nous nous trouvons loin d'eux. Et nous voyons cela de Paul concernant les Colosses. Frères et sœurs en Christ, souvenons-nous le jour où nous avons confessé, où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Comment est-ce que nous nous ressentions? Eh bien, nous étions remplis de joie. Il y avait une paix à l'intérieur de nous. Et nous avons ressenti de l'amour de Dieu pour nous. Et nous aussi, de l'amour pour Dieu, pour le Christ. Eh bien, dans ce texte, l'apôtre Paul nous exhorte de continuer de vivre dans ces mêmes dispositions, d'aimer Dieu, d'avoir cette paix au-dedans de nous et d'être toujours rempli de cette joie, comme le jour où nous avons accepté, rencontré
le Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors il nous exhorte dans ce texte de marcher comme le jour où nous avons reçu le Christ. Frères et sœurs en Christ, vivons enracinés et fondés en Jésus-Christ. Tout comme dans l'évangile de Jean, chapitre 15, qui parle du sarment. Le Christ est le cep, et nous, nous sommes les sarments. Si nous nous séparons de lui, nous mourrons. Alors, il est important que nous restons attachés au sceptre pour que nous produisons des fruits. Aussi, rappelons-nous le parabole de la semence. Ne soyons pas non plus comme le sol qui couvait d'épines, dans lequel la semence qui a été semée germe rapidement, mais rapidement, il est étouffé par les mauvaises herbes, par les ronces, et qui représente les soucis du monde, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, frères et sœurs en Christ, comme il nous l'est dit dans l'Évangile. Alors, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas que nous nous laissons influencer par toutes sortes de faux enseignements. Il nous faut être vigilants. Parce que nous qui avons reçu le Christ, maintenant l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, quand la parole nous dit que quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu et le Saint-Esprit demeure en nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit nous donne le discernement. Le Saint-Esprit ne va pas nous laisser dans le doute. Non, le Saint-Esprit nous donne le discernement, frères et sœurs en Christ, afin de ne pas nous laisser tenter pas des paroles mensongères. Il nous faut faire très attention. Quelquefois, ces personnes qui disent des choses qui n'est pas vraies, ils savent utiliser des mots pour capter notre attention, pour apporter la confusion au-dedans de nous. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, laissons le Saint-Esprit nous éclairer et qui nous donne le discernement et de ne pas nous laisser envahir par des tromperies vaines, frères et sœurs en Christ, car ils viennent pour nous embêter, pour nous tromper. C'est pour cela que Paul donne des avertissements. Paul donne des avertissements au peuple de Colosse et ses paroles sont adressées à nous aussi, frères et sœurs en Christ. Alors, il nous faut faire très, très attention. Là, dans ce temps où nous vivons, il y a tellement des faux prophètes, il y a tellement des faux enseignements, frères et sœurs en Christ. Car nous venons de fêter, 2 semaines de cela, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus, il est monté sur cette croix, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs en triomphant d'eux. Parce que la mort n'a pas pu garder le Seigneur Jésus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, notre Seigneur, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Car sur cette croix, Jésus a vaincu la mort et il nous a délivrés de la mort spirituelle. Christ a publiquement livré en spectacle Satan
et ces esprits mauvais, tout comme la parole nous le décrit aujourd'hui. Les principautés et les pouvoirs, il les a humiliés. Et Jésus accomplit tout cela pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Comme lui-même, il l'a dit quand il était sur cette croix, tout est accompli. Alors, frères et sœurs en Christ, mon exhortation de ce soir, soyons vigilants. Ne nous laissons pas tenter par des paroles vaines, par des discours trompeuses, mais puisons notre force, notre foi dans la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Parole, la paix.
Nous disons ensemble, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, en nous confiant les uns les autres au Christ et lui nous offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte. Père plein de bonté, ton Fils est descendu du ciel pour être le pain véritable qui donne la vie au monde. Donne-nous toujours de ce pain, que le Christ demeure en nous et nous en lui, car il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. Amen. Amen. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants,
soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Amen. Action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci de votre participation à ce temps de prière. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.